carte de Banban, mais version nulle, version parodique. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui, les amis. On va tester, je pense, la pire version qui existe de carte de Banban, car c'est une version qui se veut être nulle, être clairement une version parodique du vrai chapitre 1 de carte de Banban. Donc, si vous aimez bien carte de Banban, celui-ci, on devrait l'apprécier, mais quand même vachement moins que l'officiel, bien évidemment. Mais je me suis dit que ça pouvait être très drôle d'aller découvrir cette version basée sur l'humour, bien évidemment. Donc, c'est parti. Let's go pour un carte de Banban sans prise de tête. On y va. Rien qu'à l'écran d'accueil, tu sais que ça va pas être foufou quoi, mais écoutez, c'est parti, on y va. Hop, oh, hey, attendez, il bouge tout seul mon perso. Ok, c'est bon, j'ai réussi à régler le problème, c'était très bizarre. Alors, il faut enlever vos chaussures pour pouvoir s'amuser. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que je viens de récupérer là? On aurait dit une big télécommande de fou, c'est peut-être la télécommande du drone. On a Jumbo Josh ici, bien évidemment, c'est lui d'ailleurs qui disait d'enlever ses chaussures. On a Opila Bird ici qui ne s'appelle pas Opila mais Jerry. J'aurais trop rigolé si ça avait été Jimmy. Non, il n'y a qu'un seul Jimmy, Jimmy le drone. Par contre, le Opila Bird là s'appelle Jerry. Garton, ouf! Banban ou Banbun, je sais même pas. Funzone, ok, apparemment là-bas on peut aller s'amuser, très bien. On fait un petit room tour, bien évidemment, les amis. Hein, on se doit de le faire à chaque fois. C'est la base. On a des portes ici, mais elles sont fermées, comme par hasard, sinon ce ne serait pas drôle. On a le bureau là-bas aussi également, mais il n'y a rien à récupérer dessus. C'est vraiment très différent par contre. Hein. Bon, c'est cool, on va découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux endroits. Ok, on arrive dans cette pièce-là. Et je peux faire un truc, regardez. Il y a une main, ok, je peux ouvrir et fermer la porte. Est-ce que je peux faire pareil pour les autres portes qui se trouvent ici? Ah non, je peux juste les pousser comme ça pour récupérer des poids. Je sais pas trop ce que c'est. Je peux récupérer certains trucs, mais je sais vraiment pas à quoi ça me sert. Et d'ailleurs, je sais même pas si on va avoir un drone dans cette version-là, parce qu'au final, je n'ai toujours pas vu de drone. On a des petits jouets par terre et tout, une grosse toy box. Et surtout, on a, j'ai l'impression, un lecteur de cartes, sauf que je n'ai pas la carte qui va avec. Et on a ça aussi. Let's go. En fait, j'ai l'impression que je vais craft mon propre drone, mon propre gadget, tu vois. Là, c'est les garçons, là, c'est les filles. D'ailleurs, j'étais venu voir ici ou pas? Non, j'étais pas venu voir ici. Ça me dit rien qui va y par contre. Que ça a été enlevé, je me dis c'est peut-être le coup d'un monstre. Ok, je viens de récupérer du coup un aimant. Mais à quoi ça me sert tout ça? Là, il y a un lecteur de cartes aussi, mais je peux rien faire avec. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais je peux passer là! Mais je suis sûr, cette image est incroyable. Je suis sûr que j'ai déjà fait à l'avance tout ce qu'il va aller faire après, alors que de base... Ah bah non, quoique, regardez. Pièce 2 sur 6. Donc c'est bon, au final, le petit tour que j'ai fait là juste avant, eh ben, il va nous être utile. J'ai peut-être déjà même récupéré tous les objets que je devais récupérer pour pouvoir certainement construire notre Jimmy le drone, qui sera un peu moins bien que celui d'habitude. Mais regardez là, que vois-je? On voit même des piles! Hop là, je les récupère. Et du... Ah, mais il me manque une pièce! Il me manque une pièce. Où est-ce qu'elle peut être? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un autre objet ici quelque part? Je ne crois pas, je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les Opila Bird, je pensais que c'était les Brad Kissim ici. Alors, je sais pas en fait si je suis trop matrixé par Mobile Time, parce qu'on a eu des petits trucs super intéressants par rapport au chapitre 3, mais on aurait largement dit des Brad Kissim ici pour le coup. Ici, j'aurais oublié un objet? Ouais. Où est-ce que j'ai pu zapper un objet? 100% c'est ici quelque part. Bah, je viens de regarder, non, bien évidemment que non. One eternity later. Ah, mais il y a une pièce ici. Il y a une petite classe. Et forcément, bah, le dernier objet se trouve ici. Bah ouais, logique. C'était la seule pièce que j'ai pas encore l'occasion de découvrir. Bon, maintenant que j'ai tous les objets, on va pouvoir confectionner notre drone ou peut-être un autre truc. Au final, je sais pas si ça va être ça. Ah, et bah, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vraiment une invention de zinzin. Genre, avec tous les objets qu'on a récupérés, ont vraiment servi à créer cette chose. Sauf que ça ne vole pas. C'est un truc qui... Bah, qui roule sur le sol. Je me demande vraiment à quoi ça va servir. Ah, mais je sais. Ça va servir pour passer en dessous, là. Vous savez où les grilles étaient enlevées? Bah, ça va servir à ça, justement. Comment je peux faire, par contre, pour qu'il vienne ici? Mon drone, viens! Viens, mon ref! Faut que tu passes ici. Mais c'est incontrôlable, ce truc, les amis! C'est incontrôlable! Mais il va rester bloqué, je vois vraiment pas comment est-ce que je peux faire. Écoutez, maintenant que j'ai une télécommande, dans le doute, je vais quand même essayer par exemple... Ouais bah non, bien évidemment, ça fonctionne pas. Je vais quand même me rebalader un petit peu, mais c'est une dinguerie. Genre le véhicule qu'on nous a donné, il ne sert strictement à rien. Hop, et ici à chaque fois ça me bloque, j'arrive pas à rentrer. Ok, c'est bon, j'ai réussi à rentrer. Je mets une queue là, ça marche pas non plus. Hop, oh, mais quoi? Est-ce que... Attends, j'ai pas déjà fait ça tout à l'heure? Ce serait grâce à mon invention que j'ai réussi à venir ici? Écoutez, je sais pas, si ça tombe, bah, je vais devoir l'amener jusque là, je sais vraiment pas comment est-ce que c'est possible. Mais en tout cas, j'ai réussi à atteindre un nouvel endroit, donc on va clairement pas se plaindre. Et c'est un endroit avec plein de balles, hein, ça rappelle clairement les souvenirs d'enfance. Je vais sauter dedans, c'est parti, let's go, wouhou! Là, on est vraiment dans une garderie pour enfants, les amis, hein. Il y a vraiment de quoi s'amuser, et surtout, regardez-moi ça, on a trouvé peut-être potentiellement la première carte... Oh! Ça, c'est Opila Bird, ça? Enfin, c'est Jerry Bird, qui ne bouge pas.
Comment est-ce que je vais faire pour revenir là, s'il est là maintenant? Eh hey Jerry, tu restes tranquille mon gars, hein. Tu restes tranquille. Oh, il vient dans les balles. Par contre, il est méga lent. Waouh, ouais, c'est bon là, je suis tranquillou là. Là, honnêtement, aucun stress, je peux même carrément le contourner et ressortir comme ça. Ah non, je peux pas sortir. Comment je fais? Il traverse les trucs. Ok, vite, vite, vite. Faut que je repasse par ici, à mon avis, certainement. Voilà. Comme ça, je peux passer. Bon, je pense que Jerry va peut-être nous suivre potentiellement dans toute la map. Mais j'ai récupéré, du coup, la pseudo-carte. Grâce à ça, je peux activer ça. Et surtout, je peux prendre l'ascenseur. Donc, littéralement, les objets que j'ai récupérés, si ça tombe, ils n'ont servi à rien. C'était peut-être juste un bonus. Ah, un jeu qui a été fait par personne. Ok. Est-ce qu'on va voir un Jumbo Josh ou pas, là? Dites-moi que oui, s'il vous plaît. Dites-moi qu'on va voir un Jumbo. Days to develop. Ah, il a fallu 8 jours pour développer le jeu. Ok. Merci d'avoir joué. Montrez-nous un Jumbo, please. Je veux voir un Jumbo Josh, s'il vous plaît. La musique est insupportable. Je l'aurais peut-être déjà enlevé au montage parce qu'elle est horrible. Bah écoutez, le jeu vient littéralement de se fermer tout seul, hein. Ça annonce clairement la fin, donc on n'aura pas eu droit à un bon Jumbo Josh. Là clairement c'est vraiment la pire version carton de Batman à laquelle j'ai pu jouer. Vraiment, on en a eu des fan games de carton et ils étaient vachement plus qualitatifs que celle-là. Mais bon, c'était fait exprès, en plus ça a été créé en 8 jours. Du coup ça reste quand même sympa, c'est une expérience étrange, purement trollesque. Mais c'était plutôt cool, voilà, histoire de nous rappeler que carton de Batman, la version officielle, et vachement bien quand même, hein, quand tu vois ce genre de jeu à côté, il n'y a pas photo. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment les amis. Si c'est le cas, bah dites-le moi bien évidemment dans les commentaires, likez comme des zinzins comme vous avez l'habitude de le faire, abonnez-vous, activez la cloche notif, et vous le savez, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas. Et en plus, demain les amis, Amanda The Aventurer qui sort, et ça c'est un banger, j'ai tellement hâte. Bref, donc restez connectés, on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde. Amanda. And I'm Wooly. Answer my question. You don't have to answer that. You can get hurt almost everywhere. I want to get my friend a special treat. Can I share a secret with you? What tool should we use to fix Wooly's head?